cette table ronde, à quand un réveil médiatique sur l'écologie? Alors, comme je disais en la préparant un peu en plaisantant, n'hésitez pas dans vos questions, vous pouvez taper. Quand on est journaliste, on a l'habitude des repas de famille où on dit « vous, les médias, c'est de votre faute ». Vous n'en ferez jamais plus que ce qu'on peut entendre à tous les Noëls, à tous les 1er janvier, à tous les anniversaires. Donc vraiment, sentez-vous libre. Je remercie Sophie Roland d'être venue. Vous êtes journaliste, formatrice. Vous avez travaillé à Cache Investigation et Envoyé Spécial. Absolument. Et à vos côtés, Louis, attention, je ne vais pas me tromper, Espard Gilière. J'étais déjà gouré sur le prénom. Alors. C'est Lou, voilà. J'étais très concentré sur le nom et donc je me suis trompé sur le prénom. C'est Lou Espard Gilière. Bravo. Vous êtes cofondateur avec Juliette Kiev du média en ligne vert.eco. Absolument. On y trouve quoi? Peut-être. Oh, pardon. Ouais, on peut se tutoyer. Les journalistes sont très connivants de manière générale. Donc, Alors, on y trouve quoi sur ton site? Qu'est-ce qu'on trouve sur mon site? Alors, Vert, c'est un petit média qui raconte toute l'actualité de l'écologie en 7 minutes par jour. Et en fait, c'est un petit journal qui est envoyé sous forme de newsletter et qui, avec des articles courts, simples et faciles d'accès, raconte des actualités extrêmement compliquées autour du climat et de la biodiversité. Et on se présente de plus en plus comme un média généraliste de l'écologie, puisqu'on a décidé de considérer que l'écologie n'était pas une simple rubrique, mais un prisme au travers duquel on devait tout reconsidérer. Et donc, voilà ce que nous sommes. Donc, on a ce petit journal et on a un site web qu'on est en train de développer en parallèle avec des formats beaucoup plus longs, des entretiens, des enquêtes et tout le tout-team pour continuer à décrypter ces sujets-là et surtout en temps de campagne où on entend beaucoup de bêtises. Très bien. Juste pour vous préciser comment on va fonctionner, on va faire une petite table ronde entre nous de 20 minutes et après, on vous donne la parole pour que vous posiez le plus de questions possible. Donc, n'hésitez pas, préparez-les, affûtez-les. Juste avant de commencer, alors on se disait qu'on allait vous poser 2-3 questions. Qui regarde le 20h régulièrement, encore aujourd'hui? C'est pour un peu pour voir comment aujourd'hui les jeunes s'informent, les moins jeunes. Est-ce que vous regardez encore le 20h régulièrement? C'est mal barré. Pas beaucoup. C'est les jeunes de la salle. C'est pas suffisant. Hein. Il faut mieux... Les chaînes d'info, oui. Qui regarde les chaînes d'info pour s'informer à la télévision? Un peu plus, peine plus, ok. Qui lit un quotidien? Ok. La presse a une chance, encore. Et qui s'informe sur Internet, via les réseaux sociaux? Voilà. Tout est dit. La deuxième question que Lou voulait vous poser, pose-la, je ne vais pas la faire à ta place, vas-y. Alors, en gros, qui sait précisément de combien le climat s'est réchauffé depuis l'ère pré-industrielle? Moi, je sais. Qui sait vraiment, pas au pif, qui sait combien c'est? 1,2. Non. Il n'y a rien à gagner, vous pouvez y aller. Pas loin, mais c'est pas ça. 5. Combien? 5. 5 degrés? Ouais, non, c'est pas là, c'est tranquillement. On est à 5? Non. En fait, personne ne sait. 1,1, voilà, c'est ça. Bravo. 1,5, pas encore. 1,2, merci. Bon, on y va. Non, 1,2, il y a des fluctuations, mais en fait, c'est 1,09 pour être tout à fait exact. Oh, okay. Donc voilà, et qui sait, alors il y a eu la réponse, mais ce n'était pas la bonne question. Qui sait ce que sont les objectifs de l'accord de Paris en termes d'augmentation de compte de réduction de 2 degrés. 2 degrés, ouais. Pas exactement ça, mais presque. Alors c'est... Ouais, c'est ça. Alors le but, c'est de maintenir le réchauffement sous 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et si possible, enfin, si on n'y arrive pas, c'est 2 degrés la limite, quoi. Donc déjà, on voit que personne ne sait de combien le climat s'est réchauffé. Et personne ne sait qu'on est déjà en train d'exploser l'objectif de l'accord de Paris sur lequel 100% des pays du monde à peu près se sont mis d'accord. Donc c'est juste pour... Très bien, donc on a du boulot. Pour qu'on s'inquiète un petit peu tous ensemble de cette situation-là. Alors peut-être à la décharge du public et à la mienne, puisque moi je ne savais pas répondre à votre question. Je pose la question avec beaucoup d'amour, il n'y a pas de problème, je ne juge personne. Mais c'est surtout que ça pose la question de la responsabilité journalistique. Mais on est là pour ça. Mais voilà, c'est tant mieux. Allez-y, allez-y. Non, mais parce que quand même, on a eu récemment un rapport du GIEC qui est passé à la trappe des journaux télévisés. Alors qu'est-ce que ça vous inspire? Comment vous l'expliquez? Alors passer à la trappe, pas complètement quand même, heureusement. D'abord, Vert en a parlé, voilà, énormément. Et puis des grands médias quand même, on a vu des choses dans Le Monde, Libé, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien eu du tout. Ce qu'il y a moins eu, c'est surtout à la télévision. Il y a eu des grandes absents, le GIEC était très absent de la télévision, et donc c'est clair que c'est un souci. Mais ça arrive dans quel contexte? Ça arrive évidemment 4 jours après le début de la guerre en Ukraine. Et donc évidemment que cette guerre, cet événement a bouleversé et balayé l'ensemble de la ligne éditoriale, et qu'il n'y avait plus que ça en fait sur les antennes. Donc malheureusement, il est arrivé dans un contexte... compliqué. Alors vous allez me dire, il y a eu le premier rapport, le dernier, c'était en août, et c'est là, c'était Lionel Messi. Voilà, qui est arrivé au PSG. Donc en fait, il y a toujours un truc pour éclipser le GIEC. Donc c'est ça qui est terrible. Je pense que
Je pense, moi, qu'il y a dans l'explication une mauvaise encore perception et prise de conscience de la part des grands médias, des rédacteurs en chef, vraiment de l'urgence à traiter. C'est parce que ce n'est pas vraiment un événement, c'est quelque chose dont on peut parler tout le temps, donc on ne sait jamais à quel moment. Je ne sais pas, c'est excusé, moi. C'est comme si on disait, oui, alors c'est pas le 8 mars, c'est la journée des droits des femmes toute l'année, en fait. Voilà, non, c'est... En fait, il y a des moments qui font un peu événement. Et donc le GIEC, juste pour ceux qui ne situent pas encore très bien, c'est des centaines de scientifiques qui travaillent sur des cycles de 6 à 7 ans, qui compilent l'ensemble des données scientifiques qui existent sur le changement climatique, qu'il s'agisse des sciences physiques ou des impacts sur les sociétés humaines et les écosystèmes, ou comment est-ce qu'on fait pour réduire, pour contenir le changement climatique. Donc c'est des rapports qui sortent en trois volets, les trois parties que je viens de vous citer. Et donc, quand le GIEC sort un rapport, c'est des milliers de pages, c'est l'ensemble des connaissances sur un sujet. Et au-delà des milliers de pages, ils font des résumés pour les décideurs de 30-35 pages, où en fait vous avez absolument tout, c'est des documents fabuleux qui sont accessibles en accès libre, alors qu'ils sont qu'en anglais pour l'instant, le dernier n'a pas encore été traduit. Mais en fait, en 35 pages, vous avez tout ce qui va se passer, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on peut anticiper, tout ce que le changement climatique va avoir comme impact sur les sociétés humaines et les écosystèmes. Donc ça, en fait, ça concerne toutes les sociétés, ça concerne l'ensemble des sociétés, l'ensemble des aspects de la société et les sociétés humaines face au vivant qui est en plein bouleversement. Et donc en fait, c'est un document absolument crucial. Beaucoup de gens considèrent que c'est le rapport scientifique le plus important peut-être de l'histoire de la science, surtout ce deuxième volet sur les impacts sur les sociétés humaines et les écosystèmes. Et donc quand on voit ce truc-là passer à la trappe et que certains journaux y consacrent absolument zéro minute, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais que la guerre en Ukraine passe avant, certes, évidemment c'est le sujet le plus chaud, c'est normal que ça touche beaucoup les gens, mais qu'on fasse zéro minute sur ce qui est considéré comme l'un des rapports scientifiques les plus importants de l'histoire, en fait c'est ça qui est complètement sidérant quoi, dans ce traitement médiatique. Toi tu peux même le dire, on ne va peut-être pas citer le média, mais tu étais invité, tu as été décommandé, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Oui, alors... On dire le média, on n'est pas là pour balancer les gens. Ouais, non, je ne vais pas dire qui, mais là, c'est une chaîne d'information en continu, d'un groupe qui a plusieurs chaînes d'information en continu, et qui avait prévu de m'inviter, et voilà, pour faire ça, pour faire de la vulgarisation, pour faire ce travail-là aussi que les journalistes dans le show de l'actu n'ont pas forcément le temps de faire, c'est quand même, ça demande beaucoup de boulot en fait, de comprendre tout ça. Et donc je devais venir un matin sur, j'ai failli dire le nom de la chaîne, et en fait, j'ai été décommandé en last minute. Ce journaliste, qui est de très bonne volonté, a essayé de me placer sur une autre chaîne en continu à la même heure. Et en fait, l'Ukraine a absolument tout balayé et ils n'ont même pas fait un bandeau. En fait, il n'y a même pas eu deux lignes en bas de l'écran, écrites par souvent ce qui sont les journalistes stagiaires de la rédaction, sur ce document-là, qui est encore une fois un document absolument crucial d'un point de vue scientifique. Mais est-ce que dans ces cas-là, c'est pas aussi tout simplement que tout le monde est mobilisé par le sujet et qu'il n'y a plus de ressources en interne? Enfin, alors, c'est ça, exactement, c'est ce qui s'est passé. Là, moi, je peux citer le média parce que j'en ai parlé avec elle, elle est tout à fait OK là-dessus. Par exemple, France Info, qui en fait, justement, avait ce week-end-là et de la guerre en Ukraine, avait deux personnes sous la main quoi, pour traiter de tout, de cette guerre, donc c'est terrible. Et en fait, le rapport du GIEC arrive le lundi, et la personne était déjà mobilisée là-dessus, et donc elle a eu le premier réflexe de dire « Oh ben, on va pas traiter le rapport du GIEC, parce que là, t'es tout seul, vous êtes que deux, tout le monde, je dois faire des choix éditoriaux. » Et en fait, ce journaliste a réussi à la convaincre, de dire « Non, mais on peut pas complètement passer ça sous silence, c'est impossible. » Et donc, elle a réussi à faire venir un journaliste de plus pour renforcer l'équipe et pour pouvoir vraiment avoir plus de temps pour traiter le GIEC. Donc ça montre aussi qu'il y a des choix clairement qui se font en interne, et que ce qui est bien aussi, c'est que ça montre qu'il y a des journalistes aussi en interne qui se battent pour vraiment faire entendre ça et faire comprendre aussi à leur rédacteur en chef que ce sont des moments cruciaux et qu'on doit en parler, qu'on ne peut pas du tout s'abstenir de traiter ça. De par ton activité de formation, tu trouves aujourd'hui que les journalistes sont plutôt bien formés, enfin certains en tout cas, pas tous, mais les journalistes sont plutôt bien formés à ces questions-là, ou ça reste, on va plutôt prendre quelqu'un fait des études d'éco ou de sciences politiques, par exemple? Bah, en fait, évidemment, il y a des journalistes très bien formés, ceux qui couvrent ça depuis des années, depuis 15 ans, depuis 20 ans, qui sont dans la rubrique environnement, ils s'y connaissent parfaitement. Le problème aujourd'hui, c'est que ça a dépassé la rubrique environnement. Aujourd'hui, c'est les transports, l'économie, la politique, voilà, les enjeux climatiques qui sont transverses. Et sauf qu'on les a cantonnés à cet endroit-là. Et que les journalistes qui couvrent, qui sont au service politique, au service économie, n'ont pas été formés justement à ces enjeux. Et c'est un petit peu ça le souci. Quand ils doivent traiter le plan hydrogène qui sort tout d'un coup par M. Macron, qu'est-ce qu'ils y connaissent à l'hydrogène? Pas grand-chose. Et donc c'est ça qui est compliqué. Et je pense que c'est là l'enjeu aussi, c'est de former ces journalistes-là à ces enjeux pour qu'ils le comprennent, qu'ils sachent mieux les traiter, et pas que les journalistes, aussi les rédacteurs en chef. Et d'ailleurs, il y a des choses qui bougent en interne, et ça, c'est ce qui est très très bien, notamment donc à France Télévisions. Moi, j'ai été, par exemple, sollicitée pour faire... parce qu'il y a un organisme de formation au sein de France Télévisions,
France TV Université, qui m'a sollicité pour faire une émission Médias et Climat à destination justement de leurs salariés, et que j'ai fait avec François Gemmen, l'un des auteurs du GIEC, le groupe 2, donc celui qui vient de sortir. Et donc ça montre que ça bouge, qu'il y a une volonté en fait de former les gens, de prise de conscience, donc ça c'est plutôt positif. Et puis en interne aussi, il y a des journalistes qui par exemple ont organisé une rencontre avec le directeur de la rédaction et d'auteur du GIEC. Parce qu'on sait aussi que voilà, si les directions ne sont pas assez informées, ne prennent pas assez conscience, ça sera compliqué de traiter que les journalistes ne peuvent pas toujours être à se battre avec leur chef, quoi. Il faut aussi que ça redescende. Est-ce qu'il faut, chez vous, chez Lou, on n'a pas à se battre parce que... C'est moi le chef, donc c'est un combat intime, personnel, chaque jour contre moi-même. Non, on n'a pas à se battre. Effectivement, on est un média qui est tout entier tourné vers l'écologie et le climat est évidemment une des composantes fondamentales. Alors, il y a aussi un truc qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a la crise du climat, la crise climatique, et il y a celle du vivant, de la biodiversité. Et en fait, ces deux crises sont intimement liées, parce qu'en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui stocke du CO2? C'est ce qui vit, c'est la biosphère, c'est les arbres, c'est les zones humides, etc. Et donc, il est totalement impensable de dissocier le vivant du climat. Et le climat, ça rassure parce que c'est des chiffres, c'est des degrés en plus, c'est des particules de CO2, de carbone dans l'atmosphère, etc. Et effectivement, je rebondis sur ce que disait Sophie, il y a un déficit de culture générale sur le climat qui, chez les journalistes, est dramatique. C'est-à-dire que la population générale ait beaucoup de mal à comprendre ces enjeux, on peut le comprendre, c'est hyper compliqué. Alors nous, on y passe énormément de temps et on se bat un peu aussi avec nous-mêmes pour ne pas dire de bêtises, on vérifie tout ce qu'on dit, mais ça demande un temps que les gens n'ont pas forcément. Mais que les journalistes eux-mêmes ne prennent pas le temps de se former régulièrement sur ces enjeux-là et en fait finissent par, de manière indirecte, envoyer la population générale dans le mur parce qu'elle n'aura pas su leur expliquer quelle était l'acuité de la crise. Parce que voilà, on vient de le dire, 1,1 degré, en fait, les journalistes n'en savent pas plus que vous. Et donc, c'est vraiment fondamental. Et il y a une journaliste que j'aime bien qui s'appelle Emily Atkin, qui disait, de la même manière qu'aujourd'hui, il paraît impensable pour un journaliste de ne pas avoir saisi les enjeux clés autour de la crise du Covid. Tout le monde comprend à peu près comment fonctionne l'épidémie. On a tous un petit peu des bases maintenant en épidémiologie, Et bien, en fait, c'est pas normal qu'un journaliste ait pas lu le résumé pour les décideurs du rapport du GIEC, où en 30 pages, encore une fois, ça prend une petite journée, et peut-être un peu plus si on galère avec l'anglais, mais vous avez tout au même endroit, quoi. Et vous n'avez plus d'excuses, vous savez les ordres de grandeur, qui est un truc fondamental. Qu'est-ce que c'est un petit geste et qu'est-ce que c'est un truc qui va vraiment transformer la société à la hauteur de ce que la crise climatique réclame? Ben voilà, en gros, faire pipi sous la douche, c'est très bien. Mais par contre, arrêter de prendre l'avion, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Et transformer les structures profondes de notre société vers quelque chose qui arrête d'émettre du CO2 à tout va et qui n'a pour seule finalité que d'augmenter le PIB, ce qu'on ne sait toujours pas faire sans faire d'émissions de CO2 en même temps, malgré ce qu'on entend un peu, c'est pas la même chose. Bon, je vais me faire l'avocat des journalistes. Est-ce que tout simplement, ça n'intéresse pas le public? Est-ce que c'est pas aussi pour ça que c'est sous-traité? Parce que par exemple, si on prend 20h, les courbes de dos d'image, quand elles sont suivies minute par minute, on voit sur quel sujet les gens décrochent. Est-ce que finalement, on n'offre pas au public ce qu'il veut et il ne veut pas forcément qu'on lui parle d'écologie? Non, je sais pas, tu... Vas-y. Non, mais en fait, il y a plusieurs choses. Quand on demande aux Français s'ils s'estiment bien informés sur le réchauffement climatique, ils disent non. La majorité considère qu'il n'y a pas assez de temps d'antenne qui est consacré à ça. Et il est vrai que les sujets sur l'environnement ne sont pas encore très vendeurs. Et ça, moi, je l'interprète de plusieurs manières. Déjà, alors, il y a pas mal d'études qui ont été faites là-dessus, qui montrent que, en gros, les liens ne sont pas faits entre les sujets. Alors déjà, il y a le fait qu'on dise qu'il y a des sujets écologie et des sujets pas écologie, alors qu'en fait, il faudrait y avoir de l'écologie dans tous les sujets, et que vous ne pouvez pas avoir dans le JT de France 2 un sujet qui va dire « c'est génial, les Français font construire plein de logements neufs dans les zones périurbaines après le Covid, il y a une super activité économique », et juste après, pleurer les inondations en Allemagne qui font des glissements de terrain et des choses comme ça, parce que ça participe de la même chose. Construire aujourd'hui beaucoup de logements neufs, ça émet du CO2 en grande quantité, ça artificialise les sols, ce qui fait que l'eau en fait n'est plus retenue par les sols et glisse. Et donc en fait, c'est deux sujets qui sont intimement liés. Mais d'un côté, on va se réjouir d'une activité économique en plus, et de l'autre, on va pleurer les morts. Et en fait, ça, c'est pas normal. Il y a plein de gens qui s'en rendent compte. Et qu'est-ce qui est comptabilisé dans les sujets environnement dans ces deux-là? J'aimerais bien savoir, par exemple. Et ensuite, il y a un autre truc qui est pour moi qu'il y a un phénomène de lassitude, parce que en fait, on traite toujours les sujets sous l'angle catastrophiste, donc les feux, les inondations, les choses comme ça, les tornades, ce qui est très bien. Mais en fait, les gens se disent, bon voilà, c'est bon, j'ai compris, l'environnement, c'est ça, c'est les ours polaires, c'est les tempêtes, arrêtez, quoi. Et voilà, et en plus, c'est pas très très sympa à regarder, et parce qu'on met pas, qu'on montre pas ce qu'il y a en positif dans l'écologie, ce que sont les solutions. C'est une des spécialités de Sophie, mais je te laisse. Alors en fait, ouais, Sophie.
Oui, je pense qu'effectivement, le problème, c'est que les JT ont pendant longtemps couvert tous ces enjeux-là de façon très catastrophique, anxiogène. Hein, d'ailleurs, c'est ce qui ressort de toutes les études. Hein. Quand on interroge les lecteurs, les téléspectateurs, si on vous interrogeait d'ailleurs vous, je suis sûre que vous diriez c'est vraiment quand même un peu anxiogène, hein, si je vous posais la question. Comment c'est traité? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est anxiogène, un JT, quand on parle aujourd'hui enjeux climatiques? Je vois des têtes, voilà. C'est anxiogène. Donc, à un moment, ça décourage, on n'a plus envie d'avancer, on se dit, bon, bah, de toute façon, on ne peut rien faire, on est foutu. On a aussi renvoyé une impuissance. On a l'impression qu'on peut rien faire. Exactement, on est foutu, ça ne sert à rien d'avancer, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, l'un des enjeux pour les médias, c'est justement aussi de parler des enjeux solutions. Et voilà, et quand tu disais je suis formatrice à ça, aux journalistes de solutions. Alors il n'est pas question de parler de solutions miracles, idéales, de faire le journal des bonnes nouvelles, ce n'est pas l'idée évidemment, mais c'est de se dire, ok, bon bah là on a un dérèglement climatique qui est là, il est déjà là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va lutter contre ça? Ça ne va pas être juste les éco-gestes, ça en fait partie évidemment, il va falloir parler de ces enjeux d'avion, de viande, etc., mais aussi les enjeux de solutions collectives. Voilà, c'est bien de se mettre au vélo, mais si les infrastructures ne sont pas là, on va avoir du mal. Donc c'est aussi mettre la pression sur les villes, montrer les endroits inspirants qui vont justement faire ça. Il y a des villes qui s'adaptent, qui mettent en place des plans vélos, même des petites villes, des communes rurales qui sont en train de le faire. C'est ça que nous, journalistes, on doit montrer, que justement, bah, ça se bouge, quoi. Et c'est ça qu'on ne fait pas assez, je pense, et qui contribue aussi à désespérer les gens. Donc je pense que ça, c'est l'enjeu majeur. Et aussi de montrer, alors donc ces actions collectives, individuelles, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas montrer les fausses solutions, bien évidemment. Ça aussi, il faut les montrer. Il ne faut pas qu'on soit béni oui-oui et qu'on soit non plus dans un solutionniste technologique en disant « Ah là là, la technologie va nous sauver, c'est formidable ». Non, là aussi, il faut qu'on soit très prudent, nous, journalistes, dans cette approche-là. C'est évident. Mais je pense que vraiment, traiter des solutions, c'est un aspect très important qui va pouvoir, j'espère, redonner un peu du sens et de l'espoir. Justement, dans tes formations, tu as quel accueil? C'est comme une bouffée d'oxygène, et c'est le cas de le dire. Les journalistes se disent « Ouais, super, j'ai une nouvelle manière de parler de ces sujets. Je vais peut-être réussir mieux à convaincre en allant proposer ça à mon chef. » Absolument. Ouais, c'est vraiment ce qu'on me dit. On me dit « Merci, tu nous as donné une nouvelle méthode, et puis ça redonne sens, en fait, à mon métier. » En disant « Je ne suis pas juste là pour parler des problèmes, je ne suis pas là pour dire « ça ne va pas », mais c'est aussi « Quelle réponse, en fait, au problème ?» Et ce que j'essaie aussi de leur apporter, c'est une méthode, parce qu'on essaie d'évaluer la solution, on essaie évidemment de montrer si elle est réplicable, parce qu'avoir une solution valable à un endroit T, bon ben, est-ce que ça va être vraiment intéressant ou pas? Je pense à ces couvertures, par exemple, qu'on a vues, notamment lors de la COP26, tu t'en souviens, sur cette usine de captage CO2 en Islande, qui était un peu montrée comme l'exemple, super, la solution miracle. C'est réplicable, le captage CO2, ça a fait preuve de son efficacité? Pas encore, donc il faut être très prudent, évidemment, dans cette approche journalistique aussi, ça c'est très important, et j'insiste aussi pour montrer les limites. Et puis je pense que parler solutions, c'est aussi parler d'enjeux comme la sobriété, qui sont des débats qu'on n'entend pas, qui ne sont pas mis sur la table, et que pourtant, nous, journalistes, on devrait mettre sur la table. Alors on en parle maintenant, malheureusement, avec cette guerre en Ukraine. Tout d'un coup, le mot sobriété ne devient plus tabou. Mais bon, ben... tant mieux, si je puis dire, mais c'est aussi notre responsabilité, voilà, journalistique, d'aller parler de ça, de la sobriété, de ces enjeux de solutions qui en sont vraiment, en fait. Vas-y, vas-y. Oui, il y a un sujet que tu as survolé qui me paraît fondamental, c'est celui du greenwashing. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on est vraiment l'objet de toutes les manipulations de la part de gens qui sont des acteurs majeurs de la crise climatique et qui, en fait, essayent de se sauver en montrant, en fait, par le petit bout de la lorgnette, une partie de leurs activités et en faisant oublier tout le reste. Voilà, Total Energy, aujourd'hui, est un acteur majeur du dérèglement climatique, continue d'avoir des projets, veut encore forer des puits de pétrole en Tanzanie, en Ouganda. Il y a un énorme projet ICOP, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui vise en gros à creuser 400 puits de pétrole dans une zone à la biodiversité hyper riche, qui est le lac Albert en Ouganda, de faire un pipeline qui va traverser tout l'Ouganda et toute la Tanzanie. Et ça, selon les calculs des ONG, qui sont évidemment vraiment pas ceux de Total, ça émettrait 33 millions de tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère en plus, ce qui correspond en gros à plus que les émissions nationales de l'Ouganda et de la Tanzanie réunies. Et ça, pourquoi? Pour continuer de vendre du pétrole, alors même que l'Agence internationale de l'énergie a dit « Si vous voulez espérer contenir le réchauffement à 1,5 degré, c'est fini, les puits de pétrole, c'est fini, les mines de charbon, c'est fini, les puits de gaz, c'est fini. Il faut tout arrêter maintenant. Donc vous pouvez continuer d'exploiter un peu ceux qui sont déjà ouverts, mais on n'ouvre plus rien de nouveau. » Et ça, Total le sait, ça, le gouvernement le sait, mais le public ne le sait pas. Et donc, en Total, en plus, c'est fabuleux, la manipulation dans les chiffres. Donc, Total va vous montrer ses projets d'énergie renouvelable. Total va vous montrer ses outils pour séquestrer le CO2. Là, cet aspirateur à CO2 en Islande, il est fabuleux, quoi. Quand vous regardez les ordres de grandeur, parce que c'est bien ce problème-là à chaque fois, cet aspirateur-là, il permet de stocker l'équivalent de 800 voitures, des émissions de 800 voitures par an.
La tonne de CO2 séquestrée par ce biais-là, elle est à peu près 100 fois plus chère que ce qui existe par ailleurs quand on plante des arbres, par exemple. Et c'est présenté par, allez, je vais dire du mal du Parisien, par le Parisien, comme étant une solution, alors qu'on est totalement hors des ordres de grandeur. Enfin, ça ne veut rien dire, quoi. Il suffit, enfin, vous plantez un hectare d'arbre, vous avez le même résultat. Ou alors, vous pouvez encore enlever 800 voitures des routes, ce qui est encore plus simple. On n'a pas besoin de construire une usine. Et donc, ce problème du greenwashing, il est fondamental. Et tant que le public n'a pas conscience des ordres de grandeur, et tant que les journalistes ne montrent pas qu'en fait, c'est une toute petite partie du problème et que c'est absolument pas comme ça qu'on va s'en sortir, eh ben, on s'en sortira pas, tout simplement. Mais est-ce que le... Ben, comment dire ça ? Je vais essayer d'être diplomate, mais c'est pas forcément mon fort. Est-ce qu'on peut être un bon journaliste environnement sans être militant ? Mais est-ce que je suis militant ? Peut-être un peu, non ? Mais militant de qui ? L'écologie ? Mais que, enfin, c'est-à-dire, je suis militant contre la crise climatique. Je suis militant du droit de savoir des citoyens. Je suis militant des faits scientifiques. Je suis militant du GIEC, on peut le dire comme ça. Moi, en gros, ce que je fais, c'est que je prends les données que donne la science et je les explique simplement aux gens. Et quand il y a quelque chose qui nous est présenté comme une solution, et bah, comme Sophie, on enquête et on dit est-ce que c'est vraiment une solution ? Et ensuite, on est capable de dire simplement si oui ou non ça va permettre de changer les choses et à quelle échelle. Donc je suis militante de ça et pas d'autre chose. Et toi, Sophie, tu te sens militante ? Absolument pas. Je suis une journaliste qui est là pour informer en fait, les spectateurs, les lecteurs. Et je ne suis pas la porte-parole de l'écologie ou d'un parti, quel qu'il soit. C'est qu'une fois qu'on sait, en fait, une fois qu'on a justement été formé à ces enjeux-là et qu'on a compris ce qui nous attend, ben en fait, on se dit, mais en fait, il faut qu'on le dise aux gens, il faut qu'on le raconte, il faut qu'ils comprennent. Et donc, ce n'est pas défendre une cause. Enfin, ce qui est en jeu, et ça, il faut quand même bien le comprendre, c'est la survie de l'espèce humaine. Donc, quel est le sujet le plus important que ça, qui devrait nous occuper ? Et j'ai envie de citer justement ce qu'avait dit l'ancien directeur du Guardian. Le Guardian, il faut savoir, a été le premier journal anglais à basculer vraiment pour mettre vraiment ces enjeux climatiques au cœur de sa narration, au cœur des sujets, et d'ailleurs à mettre une rédaction où absolument tous les services traitaient des enjeux écologiques. Et il a dit une phrase que moi j'aime beaucoup et que je reprends et qui justement montre que pour moi on n'est vraiment pas des militants pour ça. Il dit « Si vous voulez faire du journalisme, il faut garder l'intérêt général comme moteur. Et je ne vois pas de plus grand intérêt général que d'aider à la prise de conscience sur le dérèglement climatique. » Il est irresponsable de la part des journalistes de ne pas réfléchir davantage à la manière de couvrir cette grande question. Voilà. Donc moi, je pense qu'on a une responsabilité. On n'est pas des militants. On a une responsabilité d'informer. C'est pour ça que je suis devenue journaliste. Et aujourd'hui, je considère que la crise climatique est la crise la plus importante et la plus urgente à laquelle on fait face. Et donc, c'est ça qui, pour moi, aujourd'hui, doit animer mon travail journalistique. Alors, pour rebondir sur le Guardian... C'est un journal assez exemplaire de ce point de vue-là, et c'est pour un des plus gros quotidiens mondiaux qui pourrait inspirer d'autres grands quotidiens mondiaux comme ceux qu'on a en France par exemple, et qui a fait le choix de refuser les publicités pour l'industrie fossile dans ses colonnes. Alors ils n'ont pas encore refusé les publicités pour les voitures parce que c'est un des gros annonceurs, mais c'est tout à fait quelque chose qu'ils aimeraient faire. Ils ont publié une charte dans laquelle ils s'engagent à ne plus employer de termes comme changement climatique ou réchauffement, qui laisse à croire que en fait, c'est un processus linéaire, lent et qui se passe sur des centaines d'années, mais de parler de crise climatique, de bouleversement ou de chaos climatique. Et donc c'est un engagement très fort de la part d'un journal qu'on ne peut pas taxer de militant non plus. Exactement. Ils ont même changé d'ailleurs l'emploi. Ils ne veulent plus dire changement climatique, ils disent crise climatique. Ils ne disent plus climato-sceptique, ils disent négateur de la science du vivant, du climat. Et donc ça c'est important en fait. C'est des choix vraiment, parce que justement pourquoi ils ont fait ces choix-là ? Pour encore une fois renforcer la prise de conscience en fait du lecteur. En se disant, il faut qu'on soit beaucoup plus clair, beaucoup plus... Alors engagé, si vous voulez, mais en même temps, ce n'est pas du militantisme, c'est juste de l'information. Mais est-ce que par rapport, je pose aussi cette question, par rapport au fait, quand on est journaliste, normalement, on est censé faire un peu comme au tribunal le contradictoire. On n'est pas censé donner la parole à un seul bord. Est-ce que ce n'est pas là où on est piégé parfois comme journaliste ? Mais de toute façon, on est obligé, il y a le respect du contradictoire. Alors, il y a plein de journalistes qui ne s'embarrassent pas trop de ça, mais en théorie, quand on parle de quelqu'un, on lui passe le micro quand même pour lui demander ce qu'il a à dire pour sa défense. Et donc nous, on a écrit un article sur le projet ICOP de Total. On a interviewé les militantes qui sont venues d'Ouganda pour rencontrer les acteurs publics français, les banques, mais aussi le pape qui les a reçus. Et on a donné la parole à Total pour dire bah, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense, quoi. Et en fait, la défense de Total, elle est complètement à côté de la plaque. Je reviens sur le truc des ordres de grandeur. Donc j'ai dit 33 millions de tonnes de CO2. Selon les calculs des ONG, mais ils se basent sur un institut d'experts, donc c'est pas leur calcul à eux. Et Total, ils disent non, ça va être, c'est pas 33 millions par an, c'est 13 millions sur 20 ans. Eh mais Total, ils ont oublié de compter les émissions liées à la combustion du pétrole qu'ils vont vendre. Donc ça, c'est une super mystification. Maintenant, quand vous voyez ExxonMobil qui vous promet des puits de pétrole neutres en CO2 dans le Texas, ceci est réel, hein,
On a fait une petite expo sur le greenwashing il y a deux jours, c'est vraiment ce qu'ils promettent. Et comment ils comptent? En fait, ils comptent les émissions liées à l'extraction du pétrole. Donc ils disent, on va utiliser des machines électriques, voilà. On va planter des arbres et ça va stocker un peu de CO2. Mais ils ne comptent pas les émissions liées au pétrole qui va être vendu et mis dans les voitures à essence qui vont démarrer avec ce pétrole-là. Et donc on est hors de grandeur et on est encore dans cette mystification-là. Mais on leur a demandé ce qu'ils avaient à dire et ils ont dit ça, quoi. Mais vas-y. Comme moi, quand je vais traiter des solutions, ce que je disais, c'est qu'on va évaluer l'efficacité, donc on va aussi mettre des contrepoints. Je ne vais pas dire, regardez, cette solution est super. Je vais faire les contrepoints de ceux qui vont plus justement la critiquer ou qui vont m'amener de la nuance. Déjà, ça, je trouve que c'est important. Et pour revenir à cette histoire de contradictoire, je pense qu'on a perdu beaucoup de temps, en fait, sur nous, journalistes, sur ces enjeux-là, parce qu'effectivement, on nous apprend à l'école que, journalistes, que quand on donne la parole, il faut mettre le pour et le contre. Et pour les enjeux climatiques, pendant longtemps, comme il y avait en paix ces stratégies du doute de la part des industriels, on donnait la parole à ceux qui sont du GIEC qui disaient le réchauffement climatique est dû à l'homme, et aux climato-sceptiques qui niaient complètement ça. Et ça, pendant des années, les climato-sceptiques ont quand même eu beaucoup de présence médiatique, un peu à cause de ça, de ce pour-contre. Alors ils ont encore aujourd'hui une présence sur certains médias, je ne les nommerai pas ici. Mais aujourd'hui, on ne les voit plus. Voilà, dans les 20 heures classiques, on ne les voit plus. C'est-à-dire qu'on a compris qu'à un moment donné, il n'y a plus de contestation là-dessus. Et scientifiquement, tout le monde est d'accord. Ce réchauffement est dû à l'homme, point barre. Donc donner aujourd'hui la parole à un climato-sceptique, c'est une sacrée responsabilité. Donc je pense que ça nous a fait perdre du temps dans la couverture de ces enjeux, dans la prise de conscience. La stratégie du doute qu'ont mis en place les industriels depuis des années, elles l'ont fait pour le tabac, elles l'ont fait pour l'amiante, elles l'ont aussi fait pour le climat. Et nous, journalistes, on s'est, et je ne dis pas, je ne pas que ma poule, mais on s'est laissé un petit peu manger aussi par ces stratégies du doute. Et malheureusement, ça nous a fait perdre beaucoup de temps, je pense, dans la prise de conscience sur ces enjeux-là. En fait, de la même manière que vous trouveriez aberrant de voir un mec qui dit que la Terre est plate à la télévision, en fait, c'est exactement le même niveau de contestation du consensus scientifique que de dire que le climat n'est pas réchauffé par les humains, voire qu'il ne s'est pas réchauffé du tout. Enfin, le GIEC, alors je réexplique juste, donc non seulement c'est des centaines de scientifiques, mais tous les États du globe ont leur mot à dire sur ce qui est écrit dans le document final. Donc il y a 195 pays qui lisent ligne par ligne ce qui est écrit. Donc quand il y a écrit quelque chose, c'est que tout le monde est d'accord. Tous les États, tous les scientifiques, il n'y a aucun dissensus aujourd'hui sur ce sujet-là. Une dernière question et je vous donne la parole, à la salle. Et justement, ton expérience, et les réponses au début, est-ce que ce dont on parle depuis le début, c'est pas finalement ce qui arrive à ce qu'on pourrait appeler les grands, en tout cas, pas les, je sais pas si c'est les grands médias, en tout cas les médias historiques, est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas aller chercher l'information dans les médias que tu crées? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait son mix. On a peut-être, en tout cas pour moi, à cause de mon âge et de mon histoire, pense toujours à se dire que oui, les journalistes ou les médias ne font pas bien leur boulot parce qu'on regarde quelques grands titres, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde à des outils pour aller voir et essayer de repérer les bonnes sources. Non, en fait. Non, je suis optimiste. Si vous vous informez, c'est-à-dire 100% des gens, vous avez bien vu que c'est pas évident. Il y a des médias auxquels on fait plus ou moins confiance. Sur les réseaux sociaux, il y a à boire et à manger. Il y a des médias historiques qui font du super boulot. Bon, Le Monde fait un super boulot sur l'environnement. Absolument. C'est aussi le journal de référence sur ces sujets-là. Libé fait du super boulot sur le sujet. France Info, ils font du bon taf aussi. Mediapart, qui maintenant ils sont un pôle écologie, donc ils sont plusieurs à couvrir ça. Il y a Blast. Donc là, on arrive dans les médias indépendants. Blast avec Paloma Maurice qui fait du super boulot. Et il y a nous, J'aime à croire qu'on fait du super boulot aussi. En tout cas, on nous en dit du bien. Et mais nous, on est à fond là-dedans, on est hyper spécialisés. On essaie justement de parler à un public de non-experts et des gens qui sont moins experts et militants que les journalistes soient du Monde, enfin les lecteurs du Monde ou les lecteurs de titres comme Reporter, où en gros c'est des articles assez longs, assez difficiles d'accès, ou alors il faut avoir un certain bagage militant pour comprendre. Donc nous on essaie de les faire courts, simples et accessibles au plus grand nombre, pour justement casser cette barrière en fait, et faire en sorte qu'il n'y ait plus de friction en fait entre le public et une information de qualité et en accès libre. Voilà, on a fait le choix de rester en accès libre, ce qui rend le modèle plus difficile d'un point de vue économique. Sans publicité, évidemment, pour ne pas se retrouver à faire de la réclame pour BNP Paribas ou Total. Je dirais pas de mal d'autres marques ce soir. Moi, je pense que non, les médias mainstream, ils ont un rôle clé à jouer encore aujourd'hui. Et il se passe plein de choses en interne dans ces médias. Des choses que vous connaissez peut-être pas forcément là comme ça, mais je vais prendre quelques exemples. La France Télévisions, je le disais, là en ce moment, ils vont mettre en place ces fameuses formations sur les enjeux climatiques, mais il y a aussi des émissions ou des choses qu'ils ont créées. Par exemple, ils ont créé Know You à destination des jeunes, qui est un site internet spécifique sur les enjeux climatiques
pour bien leur faire comprendre, voilà, la compensation carbone, est-ce que c'est bien, qu'est-ce que je peux faire moi pour vraiment agir, voilà, donc une destination de jeunes spécifique, et donc ça montre, voilà, ça a 6 mois d'existence, et c'est quelque chose qui est en train de prendre, voilà, un peu, qui est en train de prendre sa marque. Ils ont créé, par exemple, France 3 Bordeaux, a créé Se réinventer en Nouvelle-Aquitaine, mission tenue par Camille Nova, qui a 26 ans, jeune journaliste, qui justement va s'intéresser aux solutions, justement, face au dérèglement. Elle va faire une émission bientôt sur la montée des eaux. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que le littoral, évidemment, Nouvelle-Aquitaine va être très touché. Donc, quelles sont les villes qui sont en train de se mobiliser, de s'adapter? Comment on fait? C'est eux qui choisissent de faire des digues, ceux qui disent non, il va falloir bouger les gens. Voilà, donc, voilà, ça, bon, c'est un média mainstream qui le fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'émissions qui vont se créer, c'est évident. C'est long, c'est lent. Et c'est très bien aussi qu'effectivement, il y ait des médias jeunes, indépendants, comme celui de Lou, qui mettent un petit peu aussi la pression. Et je pense qu'il faut un peu, faut les deux, en fait. Il faut que les grands avancent et que les petits mettent la pression. Et que les petits deviennent grands. Et pour ça, il faut beaucoup d'argent à la presse indépendante. Si vous il en faut avez. Aider la presse indépendante, absolument. Voilà. Alors, je crois qu'il y a un micro, si vous avez une question. Si vous voulez, oui, voilà. Si vous avez des questions. Ouais, monsieur, alors attendez, madame. Voilà, c'est parti, là. Alors, normalement, j'aurais dit honneur aux dames, mais tant pis. Je suis désolé, je passerai après. Allez-y, monsieur, bonjour. Pour poser la question à Sophie Roland, oui. À quand une émission, justement, chez les grands, qui serait consacrée sur France 2, puisque vous en parliez, exclusivement au dossier, justement, climatique et aux solutions? Alors, pour que une diffusion nationale, puisque vous avez parlé d'FR3, France 3, mais... Il y a l'émission d'Hugo Clément qui existe sur France 5 déjà, qui est une émission nationale qui est diffusée une fois par mois quand même depuis 2 ans. Donc ça montre bien qu'il y a eu déjà une vraie prise de confiance que le média national devait s'y mettre. Après, il y a des documentaires aussi sur France Télévisions, il y a des documentaires sur Arte, vraiment consacrés à l'environnement. Je ne sais pas si vous regardez l'émission 42 sur Arte, que moi je trouve super intéressante, qui se pose plein de questions justement sur est-ce que... les algues vont nous sauver, est-ce que voilà, enfin, qui vont un peu décrypter tout ça. Donc il y a déjà quand même vraiment du choix à la télévision. Je pense que l'enjeu il est aussi dans les JT, où là il y a plus à faire encore, je crois. Mais après, hein, évidemment que moi je ne suis pas salariée de France Télévisions. Je peux proposer, ça c'est sûr, en tant que journaliste extérieure, je pourrais tout à fait proposer une émission. Et moi j'adorerais qu'il y en ait plus. Mais voilà, je ne suis pas maître du jeu, je ne suis pas décideur. Mais il y a déjà, vous voyez, des choses. Je citais donc Hugo Clément, je citais Se réinventer en Nouvelle-Aquitaine. Il y a des documentaires, La Ligne Bleue, par exemple, qui sont des documentaires de France 3, qui sont diffusés une fois par mois. Pareil, il y a eu plein d'enjeux sur... ce n'est pas consacré exclusivement à ça, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de documentaires sur cette thématique-là. Donc il n'y a pas rien, heureusement, quoi. Maintenant, c'est sûr que ça serait bien qu'on fasse encore plus. Il faudrait peut-être créer un site où ils sont tous ensemble pour qu'on sache où les retrouver, tu vois. Écologie.fr, voilà. toutes les infos sur l'écologie. Il y a une plateforme intéressante là-dessus, d'ailleurs, c'est Imago TV. Peut-être que vous connaissez cette plateforme qui est gratuite et qui agrège un certain nombre de documentaires de France Télé, d'Arte, ou même d'autres chaînes d'ailleurs, des documentaires indépendants, qui se veut un peu la plateforme de la transition écologique, qui est en accès gratuit. Il y a des documentaires qui sont repris et je vous invite à aller voir Imago, c'est plutôt bien fait. Et d'envers, tous les jours, il y a une vidéo à regarder. Et toutes les semaines, il y a un documentaire en accès libre aussi, parce que ça fait partie des autres manières de s'informer. Et c'est important de manier différents registres et différents médias. Madame. Vous avez parlé du résumé des décideurs. Mm-hmm. C'est vrai que quand on est décideur, on s'attend à avoir des aides pour décider, notamment économiquement parlant. Et c'est vrai que quand vous regardez le résumé des décideurs, on nous explique juste comment marche le dérèglement climatique, etc. Et c'est vrai que, moi je prends la comparaison, a-t-on besoin de savoir précisément comment fonctionne le moteur d'une voiture pour se rendre compte qu'il faut agir, qu'il faut développer une mobilité différente? Et c'est vrai que nous, on agit beaucoup sur, le plus gros blocus, je vais vous dire, c'est les outils comptables et financiers, et on n'en parle jamais. Donc c'est vrai que prendre... moi je suis à l'université Paris-Nanterre. D'accord. Et du coup, ça on n'en parle jamais. Et c'est vrai que, je ne sais pas, ici il y a certainement des personnes en poste de décideur. Voilà. Et faire de l'environnement, ça coûte de l'argent. Faire du social, ça coûte de l'argent. Il ne faut pas non plus faire que de l'environnement. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé dans ma carrière, pour des questions environnement, de faire de l'antisocial. Donc ça, c'est un risque. Et c'est vrai, je voulais avoir votre avis là-dessus, parce que
Et juste une chose, au GIEC, il n'y a pas de scientifiques en sciences de gestion. Il n'y a que des économistes, ce qui veut dire que, je peux vous le dire parce que ça fait 20 ans que je me bats pour qu'il y ait des gens en sciences de gestion. Et en fait, c'est dommage parce que les économistes ne savent pas ce qui se passe dans les entreprises. Voilà. Et tous les groupes sont tenus par des économistes. Et moi, on m'a dit, va taper chez les économistes. Et jamais il faut rentrer des sciences de gestion dedans. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus, parce que c'est vrai que de dire 1,09 degré, ok, ça c'est important, mais si c'est 1,2, si c'est 1,3, 1,5 ou 0,9, il faut agir. Alors vous soulevez beaucoup, beaucoup de points très intéressants à la fois, je vais peut-être pas réussir à répondre à tout, mais alors plusieurs choses. Le GIEC, cette fois-ci, c'est adjoint les services non plus seulement d'économistes et de climatologues, qui avaient tendance à dire s'il y a plus 1 degré là, ça va faire X personnes déplacées. Au contraire, il y a des modèles qui sont beaucoup plus fins maintenant, où on sait dire que, en gros, tant de réchauffement dans un pays qui a cette configuration-là, et y compris et surtout quelle configuration sociale et politique, en gros, quelle est la résilience du pays à un choc, et bien en fait, ça n'aura pas du tout les mêmes conséquences. Et donc, si vous avez un pays qui est très exclusif, avec des communautés marginalisées, un gouvernement qui est failli et pas de mécanisme d'alerte, et bien un cyclone va avoir des conséquences qui sont sans commune mesure avec ce qui ça aurait dans un pays où tout serait à l'inverse de ça. Donc ça, c'est un des enseignements intéressants de ce dernier volet du rapport du GIEC. Donc il y a beaucoup plus de gens maintenant qui pensent en termes de sciences sociales, de structure de la société et tout. Ensuite, vous disiez que justement, faire de l'écologie, parfois, c'est au détriment du social, ou c'est souvent au détriment du social. Et en fait, justement, le GIEC, et c'est pour ça qu'il faut lire ces rapports, le GIEC dit justement qu'on ne réglera pas le seul problème par le traitement des degrés du climat. En fait, il faut changer, il faut y résoudre tous les autres problèmes de la société en même temps. Donc on ironisait un peu en disant que le GIEC est devenu un peu woke sur ces sujets-là. Et en fait, le GIEC dit qu'il faut régler les problèmes de marginalisation, il faut régler l'égalité femmes-hommes dans les sociétés, il faut régler les problèmes de démocratie, les problèmes de corruption, parce qu'en fait, ça rend les sociétés faibles face au changement climatique. Et donc tous ces problèmes-là, il faut les traiter en même temps. Et donc ce que dit aussi le GIEC, c'est qu'il y a des solutions qui sont mauvaises. C'est-à-dire que si vous réglez le problème en construisant une digue, un barrage contre l'océan, en fait, vous artificialisez les sols, vous ne réglez pas du tout, vous n'agissez pas sur les causes, et vous ne changez absolument rien au fond du problème. Quoi. Et ça coûte très cher, et ça a des conséquences environnementales qui, en fait, sont négatives. Et il y a un truc qui est important, c'est que le GIEC ne donne pas de recommandations politiques. Et ça, c'est laissé aux décideurs, justement. Le résumé pour les décideurs, c'est un résumé qui est scientifique, et le GIEC n'a pas le droit, en fait, y compris parce qu'il y a 195 pays qui passent par le processus de relecture, de dire « il faudrait faire ça ». Par contre, il peut dire ce qu'il ne faudrait pas faire. Où il peut donner des considérations générales, genre régler tous les problèmes de la société en même temps que celui du climat, parce que tout est interdépendant. Et un des messages les plus forts du dernier rapport du GIEC, c'est que les sociétés humaines et les sociétés et les écosystèmes sont intimement liés, et que si vous détruisez le vivant, vous continuez à mettre en danger les sociétés humaines et vice-versa. La question de l'impact des normes, par exemple, financières ? Alors, ce n'est pas du tout ma spécialité. Et je conçois que le modèle de l'entreprise, la gouvernance, etc., ne soit pas du tout adapté aujourd'hui aux défis qu'on essaye de relever. Et donc, c'est un peu le problème, c'est que en fait, les petits gestes, c'est bien, mais il faut tout changer partout et à tous les niveaux. Et donc, il faut agir en triant ses déchets, parce que c'est bien de trier ses déchets, même si ça n'a pas un impact monstrueux, c'est important de le faire. Mais il faut aussi changer les structures de l'entreprise, changer les structures de la gouvernance, et changer, pourquoi pas, les structures démocratiques. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on a un rythme qui n'est pas du tout celui en fait, du climat, et que le climat suit une exponentielle et s'emballe, et qu'en fait, on a des structures sociales et politiques qui ne sont pas du tout adaptées pour répondre à ces crises-là. Quoi. Voilà, qu'il faut traiter comme des crises et pas comme un mal long qui se déroule sur un temps géologique. Quoi. On est complètement sorti de ça. Quoi. Et donc, ce rapport des décideurs, et c'est après aux politiques de s'en emparer et en fait d'agir. Et moi, ce qui me terrifie un peu, c'est de voir quand dans le débat actuel, le présidentiel, ben, ces enjeux-là, ils sont quasiment absents. On en parle très peu, en fait, de qu'est-ce qu'il va falloir faire. On voit bien le programme de chaque candidat. Bon, ben, on ne propose pas énormément de solutions. En tout cas, elles sont faibles. Elles ne sont surtout pas à la hauteur des enjeux. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Alors, ça revient, c'est revenu un peu, évidemment, avec la guerre en Ukraine, tout d'un coup. Oh là là, notre indépendance. Oh là là, il faut qu'on arrête avec le gaz russe. Oh là là, sobriété, ce que tu disais tout à l'heure. Pardon ? La sobriété. La sobriété, tout d'un coup, revient enfin sur la table. Mais c'est ça surtout, quoi. C'est qu'en fait, c'est à nos politiques, c'est à nous de mettre la pression et qu'il y ait des programmes à la hauteur, quoi. Et pour l'instant, ils ne sont pas à la hauteur. D'ailleurs, je crois que vous êtes en train de les comparer. Alors oui, et pas que. Sur le site de Vert, justement, pour ne pas laisser les gens complètement démunis, on a fait un contre-programme.
Alors, on n'a pas regardé spécialement les programmes des candidats, et on ne fait pas de recommandations pour le vote, et chacun est bien libre de voter pour qui il veut, ce n'est pas à nous de faire ça en tant que médias. Par contre, on a étudié des mesures qui nous semblaient intéressantes, soit dans les programmes des candidats, soit à l'étranger, et on a étudié ces mesures en regardant est-ce que historiquement on a vu que ça avait marché, est-ce qu'il y a des expérimentations qui sont menées dans les entreprises, et ces mesures, c'est par exemple la semaine de 4 jours, dont on sait que en fait, ça permet de régler plein de problèmes à la fois, tous les problèmes liés en fait, au surtravail qui épuise les gens. Ça permet de réduire les émissions de CO2. Il y a des exemples des études qui ont été menées en Angleterre et qui confirment ça. Mais il y a aussi d'autres choses. On parle de redévelopper le fret ferroviaire, la rénovation thermique des logements. Ça, c'est un truc, mais ça me paraît sidérant que ce ne soit pas un des sujets centraux de la présidentielle. Parce que ça permet aux plus précaires de se chauffer. Si on décide d'investir massivement là-dedans, on permet aux plus précaires d'avoir une facture allégée à la fin du mois, de réduire la gabegie d'énergie et surtout d'énergie fossile, parce que les logements aujourd'hui, on les chauffe essentiellement au gaz, et donc ce gaz est encore fossile, même s'il s'appelle gaz naturel, ça reste du méthane, du CH4 qui sort depuis. Ça permettrait de créer une filière d'excellence artisanale au niveau européen, peut-être, puisqu'il n'y a aucun pays qui s'est vraiment emparé de ce sujet-là, enfin, à ma connaissance. Et donc en fait, ça règle plein de problèmes, c'est l'emploi, la justice sociale et le climat en même temps. Et donc quand vous avez des choses comme ça qui unissent absolument tout et qui devraient mettre tout le monde d'accord et que ces sujets-là ne sont même pas vraiment dans le débat politique, c'est quand même un petit peu inquiétant et ça dit quelque chose de l'état du débat. Monsieur, voilà. Parce qu'il faut faire tourner un peu la parole. J'ai une petite question concernant sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que, par exemple, la guerre en Ukraine puisse éclipser certains sujets ou l'arrivée de Messi, comme vous aviez pris comme exemple. Mais pour moi, la question, c'est est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un gros manque de logique? Si on dit que, par exemple, dans le pire des cas, tous les Ukrainiens meurent, et dans ce que vous disiez, la survie de l'espèce humaine, si la survie de l'espèce humaine est en jeu, celle des Ukrainiens l'est aussi. Donc pourquoi est-ce qu'un événement qui impacte un pays, en soi, prend le pas sur quelque chose qui a une ampleur mondiale en soi? Est-ce que c'est de l'hypocrisie ou un manque de logique? J'ai du mal à comprendre les choix, on va dire, éditoriaux. Comment on peut dire que c'est plus important que la vie de tous les humains? C'est quelle émotion c'est ça suscite en termes d'affect c'est la guerre qui est à nos portes, en fait, et voilà, qu'on n'a pas vu depuis des années. Donc évidemment, ça dépasse tout. Et que ce dérèglement, il est plus loin. Dans cet exemple-là, oui, mais par exemple dans celui de l'arrivée de Messi. C'est Messi, quoi, c'est Champagne. C'est pas quelque chose qui... Tu vois, même moi, j'avais envie de dire des trucs sur l'arrivée de Messi au PSG. Je m'intéresse même pas au foot, mais ça me semblait être vachement événementiel, quand même, tu vois. Mais voilà, mais ce qu'on dit, c'est que c'est pas qu'il y ait une info qui passe en premier, ok, oui, mais il faut pas qu'elle éclipse d'autres infos. Pas l'éclipse, l'autre. Et en fait, c'est l'équilibre, en fait, entre les infos, entre les événements. Regarde la difficulté qu'ont les gens pour arrêter de fumer des cigarettes. Tu vois. Ils savent très bien qu'en fait, il y a une vraie menace qui plane sur eux à longue échéance. Mais beaucoup de gens sont incapables de se dire, en fait, ça va vraiment avoir un impact sur moi. Et ils attendent le dernier moment ou d'être malade pour changer, quoi. Et en fait, c'est exactement le même genre de ressort qu'on a. C'est que, et outre ça, d'ailleurs, on n'est pas programmé pour penser notre propre finitude en tant qu'individu et a fortiori en tant qu'espèce ou civilisation ou ce que vous voulez, quoi. Donc en fait, c'est extrêmement difficile de se projeter dans un avenir comme ça. Enfin, tu vois, si aujourd'hui on dit est-ce que je te donne 100 balles maintenant ou est-ce que je mets 200 balles sur ton plan épargne retraite, tu prends quoi? Mathématiquement, après, ce serait mieux, oui. les gens diraient plus souvent, je pense, les 100 euros tout de suite, oui, c'est sûr. Non, mais c'est ça. Et en fait, il faut qu'on apprenne aussi à penser contre nous-mêmes ou penser contre nos besoins immédiats et accepter que quand on dit, là, ça va être un petit peu chaud. Et en fait, le coût aujourd'hui pour les entreprises est sans commune mesure avec ce qui va être demain dans un climat qui se dérègle, où ça devient compliqué de faire pousser des trucs. Enfin, voilà, il y a des scénarios plus ou moins catastrophes. Je ne vais pas dire que ça va être le chaos et c'est pas Mad Max dans 10 ans. Mais voilà, ça faut se dire aussi, ça a été chiffré. Le coût de la catastrophe climatique sur l'entreprise et les sociétés est sans commune mesure avec les coûts de l'adaptation aujourd'hui. Mais c'est les mêmes logiques. Est-ce qu'on met 100 milliards maintenant ou est-ce qu'on se dit, ça sera peut-être 2000, 3000 milliards dans 50 ans, enfin, c'est ces ressorts-là, en fait. Et individuellement, qu'est-ce que vous conseilleriez, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des gens comme moi, par exemple, qui voudraient faire quelque chose individuellement? Mais je sais que je ne pourrais pas faire individuellement tout le travail. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Quelle serait votre recommandation, vous qui êtes sûrement, je pense, plus au courant sur ce sujet? Contre la crise climatique? De manière générale, oui, pour toute la crise climatique. Et bien, j'espère que vous avez 6 heures devant vous, parce qu'on part sur une autre conférence. Ok, excusez-moi. Je vais donner le micro à quelqu'un d'autre. Alors, on commence par l'échelle individuelle, ensuite l'échelle collective. Je disais, Sophie, on parlait juste avant, et je crois que c'est très important. Je ne sais pas si les sociologues ont étudié comment fonctionnaient des rédactions. Et quand il y a un événement, il y a un truc assez hystérique dans une rédaction. Tout le monde parle du truc. Il n'y a plus que ça qui compte, en fait. Tout le monde est mobilisé. On ne s'en rend même plus compte individuellement. Je crois qu'il y a une espèce de suspension d'esprit critique
Ah ben totalement. Et, enfin, moi, je l'ai vécu sur plusieurs événements, évidemment. Alors, en septembre, voilà, j'ai vécu ces événements-là. Dans une rédaction, c'est un truc de fou. Enfin, c'est plus rien d'autre n'existe, en fait. On va sur cet événement, il n'y a plus que ça qui compte. Et la guerre en Ukraine, à mon avis, c'est passé la même chose. Ah, c'est ça, c'est et tout le monde se mobilise, toutes les rédactions, enfin, tous les services se mobilisent. Donc là, c'est vrai que le rapport, il était vraiment plus en ligne de mire, quoi. Il y a eu ceux qui avaient préparé quelque chose en Messie, quand même, j'aimerais bien quand même qu'on en parle. Alors, il y a eu des résistants, quand même, il y a eu deux, trois trucs où ils ont essayé, mais il y a des sujets d'annulés. Parce que, ben non, mais toi, on a besoin de toi, là, il y a une cabine à faire, là, sur l'Ukraine, non, mais tu rigoles. Donc, c'est comme ça que ça marche, en fait. C'est, d'abord, on n'a pas des effectifs pléthoriques hein, dans les médias, il faut quand même dire les choses aussi, c'est vrai. Donc, voilà, et puis, donc, quand un événement est comme ça, plus rien n'est trop dit pendant des semaines. Voilà. Et donc, là, ça fait un mois, peut-être que le prochain rapport du GIEC. Vous savez, groupe 3, cette fois, c'est le 4 avril. On peut espérer que... Restez branchés. On peut espérer que là, comme ça fait maintenant plus d'un mois que la guerre voilà, a éclaté, on en parlera davantage. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est l'appel de Céline Guivarch, qui est donc l'une des autrices de ce troisième rapport, l'une des nombreuses, et qui a fait un appel, en fait, sur Twitter. Hein. Coucou les médias, le 4 avril sort le rapport, je suis prête à parler. Voilà, donc j'espère qu'elle sera écoutée par les médias. Et qu'il y aura non, lui a demandé, elle n'était pas dispo. Elle n'est pas dispo ? Je pense qu'elle s'adressait plutôt à France 2 et à TF1, mais c'est pas mal. Moi, bon, à mon avis, tu verras, elle va revenir chez toi. Ils ont invité personne pour les deux précédents volets. Non, et juste alors, en un mot, pour prêcher pour ma chapelle, tu te demandes ce que tu peux faire, payer pour la presse. Là, en fait, il y a un gros problème qui est que. Non, mais c'est ça, il n'y a pas assez de gens dans la rédaction parce que les gens considèrent que l'information est gratuite. Le service public de l'information est en gros voilà, détricoté au fur et à mesure. Les chaînes privées, c'est pareil, elles essorent leurs journalistes pour que ça coûte le moins cher et que ce soit le plus rentable possible. Et les médias indépendants n'ont pas d'argent. Donc en fait, tant qu'on considère que l'information est gratuite et qu'on n'a pas à mettre d'argent là-dedans, on aura une information à la hauteur de ce qu'on y investit. Quoi. Et en plus, on veut enlever la redevance. Alors là, ouais. Pour autre chose, mais c'est encore un autre débat. Mais bon, voilà, et que j'ai vu qu'en plus, la majorité des gens pensaient qu'il fallait l'enlever. Donc là, on se dit, bon, d'accord, alors on va avoir un petit débat qui va être sympa, là. Donc c'est ça aussi la complexité, quoi. C'est aussi l'économie des médias d'aujourd'hui et de demain. Je ne sais pas où est le micro, donc je ne sais pas si quelqu'un a une question. Ah bah, monsieur. Vas-y. Ça va. Oui. Bonjour. Non, c'est pour l'enregistrement. Il marche ? Ah, il marche ? Ah oui. Oui, c'est pour l'enregistrement. Ok, peut-être. D'accord. Vous avez parlé de sobriété tout à l'heure. J'ai lu pas mal de choses de gens qui avaient l'air de s'y connaître, notamment je pense à Aurélien Barraud par exemple, mais là c'est pas son métier, ou à plutôt Jean-Marc Jancovici, qui disait que le Shift Project, je crois que c'est une association qui a fait beaucoup de choses par rapport au climat et qui propose des plans d'action. Absolument. Il parlait du fait qu'il y avait une corrélation forte et assez indéniable entre le PIB, la croissance et le désastre climatique. Et que, en gros, concrètement, parce que vous avez parlé de la semaine de 4 jours, par exemple, mais ça aussi, c'est inclus, on va dire, dans la croissance. Et plutôt passer une semaine de 4 jours, ça revient à baisser la croissance. Et bref, il disait... Que, pas forcément. Alors, ce fameux monsieur Jancovici, il disait qu'il fallait que c'était calculé, qu'il fallait baisser pour atteindre les accords de Paris, qu'il fallait baisser de 5% la croissance sur plusieurs années, il me semble, pour arriver à atteindre ces objectifs-là. Et c'est pas la première fois que j'entends qu'en gros, le seul problème, c'est la croissance. Et du coup, déjà, je vais avoir votre avis sur la question, si c'est le cas sur le coup. Et si c'est le cas, parce que c'est un peu un paradigme, moi, je veux dire, on a toujours vécu avec le fait que la croissance était quelque chose d'incroyable, de souhaitable, qu'on associait ça au bien-être humain, etc. Et en plus, on est un peu dans une crise sociale, donc si on en vient à parler de décroissance pour régler le problème climatique, comment on gère ces questions, comment on fait accepter ça, comment on change de paradigme, quoi. Alors, beaucoup de questions hyper intéressantes en une, encore une fois. Ouais, désolé. Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, si on dit que... qu'est-ce qu'il faut faire d'un point de vue économique? En gros, il n'y a pas d'exemple historique, à part à des endroits localisés sur des périodes courtes, où on a réussi à décorréler la croissance économique et les émissions de CO2. En gros, le PIB et les CO2. Pourquoi? Parce qu'en fait, malgré tout ce que vous voyez en termes d'énergie renouvelable ou tout ce que vous voulez, la croissance, elle se fait avec du pétrole, du charbon et du gaz aujourd'hui. Et chaque source d'énergie qu'on a ajoutée, elle s'est surajoutée au total. Et là, en fait, l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, vient de sortir un document, enfin, massue, parce qu'ils sont tous massus en ce moment, qui montre qu'après la pandémie, donc en gros en 2020, les émissions ont bondi comme jamais auparavant, elles ont augmenté de 6%, en même temps que le PIB, exactement la même chose. Et en fait, on atteint un nouveau sommet dans la production de charbon et d'autres hydrocarbures. Donc en fait, on a l'impression qu'on est en train de prendre un chemin inverse, mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, on produit toujours plus d'hydrocarbures. Et les hydrocarbures, c'est de l'hydrogène et du carbone. Et le carbone, c'est ce qui cause le réchauffement climatique. Donc en fait,
La manière dont on produit l'énergie aujourd'hui, c'est ce qui cause le dérèglement climatique schématiquement. En France, on est un petit peu épargné parce qu'il y a le nucléaire qui émet très peu de CO2, mais voilà. Donc en fait, si vous réfléchissez en termes stricts de PIB et que vous utilisez ça comme seul indicateur, oui, il va falloir baisser le PIB. Par contre, on pourrait utiliser d'autres indicateurs qui diraient, mais en fait, combien de vies on va épargner, combien de champs on va réussir à encore cultiver demain. Enfin, il y a tout un tas d'autres indicateurs. Et c'est ce que tu dis, il y a un paradigme à réinventer, en fait. Et aujourd'hui, les gens qui parlent de décroissance ou de sobriété, voilà, des mots vraiment tabous dans le débat public, en fait, la décroissance, ils ont voulu créer un mot qui était un mot massu aussi fort que le mot croissant, parce que croissance, puisque oui, c'est un totem absolu, et on a tous grandi dans ce truc, genre c'est absolument nécessaire. Ils ne veulent pas, stricto sensu, la décroissance du PIB. En fait, ce serait une conséquence, ce serait une externalité du changement de société. Mais ce qu'ils veulent, c'est qu'on redéfinisse, par exemple, quels sont nos véritables besoins en tant qu'individu et en tant que société. Est-ce que c'est normal de payer le litre d'eau le même prix pour sa piscine ou pour s'alimenter? Et c'est tout ce genre de réflexion-là qu'il faut absolument qu'on mène. Et que, en fait, voilà, l'évolution du PIB, ce sera quelque chose qui sera, en fait, accessoire, puisqu'on on passera dans un autre logiciel, quoi, une autre façon de considérer les choses. Donc oui, si tu veux juste dire que si la croissance reste aussi carbonée, bah, il faut qu'elle baisse la croissance, et donc ça va être un choc économique, ça va être un choc social, ça va être ce que tu veux. Et moins on anticipe, plus on va se manger un choc dans la tête, et c'est exactement ce qui s'est passé avec le Covid. Au début, on arrive, les hôpitaux, ils étaient déjà à saturation. L'hôpital Saint-Louis, à côté duquel on a notre bureau à Verre, il était déjà en grève depuis un an parce qu'ils n'avaient pas réussi à absorber la précédente grippe saisonnière. Et là, on met un choc comme le Covid. Ben voilà, c'est exactement ce qui va se passer pour la crise climatique. C'est que si on n'anticipe pas et si on ne change pas les structures de nos systèmes, de un peu tous les systèmes en fait, et ben on va se manger ça dans les dents, exactement comme le Covid, et puissance 10 000. Quoi. Et Jean Covici ne dit pas autre chose. Merci. Il a publié un bouquin qui devrait lire d'ailleurs sur le plan de décarbonation de l'économie. Qui s'appelle Un monde sans fin, et c'est un excellent résumé. Il y a plusieurs choses. Ça, c'est la BD. Ça, c'est une BD, mais ça parle à tout le monde. Il y a la BD Un monde sans fin, effectivement, de Jean-Marc Jancovici. Mais il y a aussi le plan de Swift Project. Plan de transformation de l'économie française. Voilà, qui fait de la prospective jusqu'à 2050. Et qui montre bien ce qu'il faut faire en termes de rénovation thermique des logements, en termes de changement de notre mix énergétique. Déplacement, changement d'aménagement urbain. Très technique, mais assez passionnant si c'est vos lectures. Et c'est aussi des livres comme ça, enfin ce qui est dit dans un livre comme ça, qui devrait faire l'objet de débats quoi, à l'heure actuelle, et qu'on n'a pas vraiment finalement à 10 jours de la présidentielle. Quoi. Une autre question, monsieur? Oui, s'il vous plaît. Bon, en effet, la BD de Jancovici est extrêmement bien faite. Je la recommande à tous ceux qui ne l'ont pas encore lue. Enfin, elle se relit d'ailleurs. Non, j'avais une question. Je ne fais pas partie des plus jeunes. Je ne connais pas mon poids carbone depuis ma naissance. Je sais qu'un seul truc, c'est que je ne maigrirai jamais de ce côté-là. Hein. C'est assez irréversible. Ma question, c'est, imaginons que nous soyons devant une assemblée de jeunes futurs ingénieurs. vous avez tiré à boulet rouge. Alors, je ne travaille pas chez Total. Vous avez tiré à boulet rouge sur Total, qui est une entreprise française. Quel message souhaitez-vous passer à ces jeunes? Et est-ce que vous les incitez à ne pas travailler pour les industries françaises qui vont permettre justement d'assurer cette transition, je pense, et j'en suis persuadé. Et est-ce qu'on préfère privilégier les fuites carbone avec des industries qui soient délocalisées à l'extérieur et en appliquant des méthodes qui ne sont pas forcément les plus vertueuses? Je ne dis pas que les Français sont les plus vertueux. On a tous encore énormément à faire. On est bien d'accord. Alors, je dirais, c'est la Dream Team. C'est vraiment le sommet. En fait, c'est l'entreprise française qui concentre tout ce qui dysfonctionne, en gros, aujourd'hui. Donc, Total, si on regarde le bilan carbone de Total, il est équivalent à celui de la France entière. Déjà, ce n'est pas Total, ce n'est pas l'entreprise française. C'est une entreprise qui est partout dans le monde, qui fort du gaz en Arctique. Il y a encore un projet monstrueux qui est en cours de déploiement en Arctique. Alors, les plans sont un petit peu contrariés en ce moment dans l'Arctique russe. C'est une entreprise qui continue de développer des projets fossiles, alors qu'on a bien dit que c'était plus possible de continuer à faire ce genre de projet. Donc si demain, la direction de Total change radicalement et dit, en fait, on laisse tomber le pétrole, c'est nul, et en fait, on va faire que du renouvelable, on va faire du nucléaire, après, voilà, chacun sa façon de voir le truc. Il y en a qui ne veulent pas de nucléaire, il y en a qui trouvent que c'est très bien. C'est pas à moi de prendre position là-dessus. Pourquoi pas? Mais simplement, aujourd'hui, Total et d'autres entreprises comme Total, en fait, on commence à avoir une image qui leur colle à la peau et qui déplaît de plus en plus aux jeunes ingénieurs dont vous parlez. Et en fait, Total est bien obligé aussi de changer un peu son discours, de changer son fusil d'épaule, de parler autrement aux jeunes parce qu'ils sentent bien que ça marche plus. Mais en effet, notre avenir, c'est notre jeunesse. Mais en effet, notre avenir, c'est notre jeunesse.
Et donc c'est par ces jeunes qu'on réussira à changer, ouais, les jeunes vont faire évoluer nos entreprises. Qui vont supplanter Total dans 50 ans. Non, mais je veux dire, tout arrive. Il y aura des ruptures, c'est clair. Non, mais il y aura des ruptures, c'est clair. Mais je pense qu'il faut changer de l'intérieur également. Il y a des autres qui parlent sans complexe de la fin des fossiles, quoi. Qui disent que voilà, il y a un moment, il va falloir que ça s'arrête, quoi. Poutine, il a dit ça, quoi. Alors c'était il y a un moment. Poutine, qui est quand même indirectement lié à Gazprom, qui est un des plus gros, qui est le quatrième plus gros émetteur de CO2 de l'histoire, hein, qui a quand même une certaine responsabilité. Et Poutine a osé dire ça à propos de son fleuron national. Enfin, donc il faut se dire que en fait, Total est tellement en retard sur toutes les entreprises, y compris fossiles, y compris les géants des hydrocarbures, qu'en fait, il y a plein de gens pour qui ça passe plus du tout. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi ce greenwashing là, c'est pour ils essayent encore de convaincre des jeunes talentueux de pas faire complètement autre chose, de pas se lancer dans d'autres activités, parce que c'est plus sexy du tout en fait ce que fait Total aujourd'hui. Ça se voit, quoi. Après, je pense quand même que les jeunes ingénieurs, il faut encore qu'ils aillent dans des grands groupes. Je parle pas pour le coup de Total, mais parce que je pense que c'est bien aussi de bouger le système de l'intérieur. Je dirais de hacker le système, de vouloir faire bouger les choses. Voilà, parce que si vous allez tous à l'extérieur, bon, on ne va pas y arriver non plus. Donc, il faut les secouer de l'intérieur. Moi, je pense que c'est aussi... je pense qu'il y a des possibilités de marge de manœuvre de faire ça. Et je pense que c'est important aussi que des jeunes ingénieurs le fassent. On nous a posé la question, d'ailleurs, quand on a participé à ton débat, je me souviens, quelqu'un qui disait, moi, je suis ingénieur aéronautique, qu'est-ce que je fais? Tu te souviens? Je reste ou je reste pas? Tout le monde se pose la question. Voilà, je reste ou je reste pas? Non, moi, je lui ai dit, ça dépend où vous en êtes dans votre... voilà, je suis pas à votre place, mais je suis pas là pour donner des conseils ou tout ça, mais moi, je dis, il faut aussi que c'est des gens comme vous, si vous avez envie, pris conscience de tout ça et qu'il faut bouger, bah, restez dedans, parce que vous serez intéressant aussi à faire bouger le système de dedans. Si vous partez, si vous baissez les bras, à moins qu'il fasse quelque chose de super dehors, mais il le fera peut-être, il finira par le faire. Mais c'est bien aussi qu'il reste dans le système pour faire bouger ce système et le faire rénover, se transformer, puisque ces entreprises doivent se transformer. Donc je pense aussi que c'est important que les ingénieurs aillent dans cet état d'esprit-là, dans ces entreprises-là. Il y a une initiative qui est quand même assez fabuleuse, qui est il y a des collectifs d'étudiants en aéronautique qui, il y a quelques mois, ont lancé une lettre ouverte au gouvernement en disant « Prévoyez la décrue du secteur aérien, s'il vous plaît ». C'est-à-dire qu'ils sont en études. Ils sont en train de se former pour devenir ingénieurs aéronautiques et ils sont parfaitement conscients du fait qu'on ne réglera pas, et ça Jancovici le disent et beaucoup d'autres ingénieurs ont fait les calculs, et en fait les calculs ne sont pas bons, c'est-à-dire que si on compte sur l'avion vert pour régler tout le problème des émissions de l'aviation, on n'y arrivera pas du tout, on est hors des clous complètement, et donc il faut faire décroître le secteur aérien et convertir aussi toute une partie des ingénieurs, des gens qui travaillent dans ce secteur-là, pour qu'ils fassent autre chose. Et évidemment c'est pareil, si on n'anticipe pas, il y aura de la casse sociale à fond. Et ce sera hyper brutal pour plein de gens, et moins on aura anticipé, moins on pourra justement prendre ces jeunes ingénieurs qui ont plein de bonnes idées, qui ont plein de bonnes volontés, et les mettre sur des tâches où ils se réalisent individuellement, ils sont heureux de faire ce qu'ils font, et ils sentent qu'ils contribuent à quelque chose de collectif qui est hyper enthousiasmant en fait, qui est un projet en positif, où il y a en fait tout à inventer sur l'écologie, et les ingénieurs ont une part fondamentale dans ça, quoi. Une dernière remarque, question, allez-y, monsieur. Oui, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt parler de cycle de carbone comme principal responsable du réchauffement climatique? Parce que les cycles courts, il y a un équilibre qui se crée et donc il n'y a aucun impact sur le réchauffement climatique. Je prends un exemple. Donc les hydrocarbures ont mis des millions d'années à se créer. Donc si, quand on va brûler dans notre voiture de l'essence ou du fuel, c'est pareil. Donc le gaz carbonique, il va remettre des millions d'années à recréer ce carburant. Par contre, si je prends du biogaz, le biogaz, ça va mettre un an maximum ou deux ans pour qu'il redevienne plante ou arbre ou je ne sais quoi. Et donc là, dans ce cas-là, si je prends le gaz carbonique qui est émis par ma voiture, qui fonctionne au biogaz, là, il y a un impact zéro sur le réchauffement climatique. Est-ce que vous avez quand même relâché des gaz à effet de serre dans l'atmosphère ? Oui, mais ce gaz, il va se retrouver. Oui, mais ce gaz, il va se retrouver avec l'effet, avec la biosynthèse, il va se retransformer en carbone sur les plantes. Et on va y avoir le cycle. Et vous pourriez dire ça avec les énergies fossiles en plus. On va dire on va planter plus d'arbres et en fait les arbres vont aspirer le CO2 en plus. En fait le problème c'est qu'on est sur une trajectoire d'emballement et que en fait ça ne suffit pas du tout. Il faut qu'on fasse de l'émission négative. En fait c'est ça l'objectif pour 2050. Si on veut réduire effectivement. Oui, mais si on veut réduire effectivement. Mais l'impact de ma voiture qui fonctionne avec du biogaz, pour moi c'est zéro. Mais quand le biogaz, il y a la méthanisation. Ça veut dire qu'on utilise de la matière agricole qu'on met dans des fermenteurs
qui va ensuite générer du gaz, mais cette matière agricole vient bien de quelque part. Et en fait, les méthaniseurs posent d'énormes problèmes localement, parce qu'en fait, on organise... Non mais voilà, mais en fait, tout a un impact. On ne peut pas juste dire que je vais continuer à rouler avec ma voiture et mettre autre chose dedans, et qu'il y aura autant de voitures sur les routes en 2050. C'est pas possible, c'est pas le bon ordre de grandeur, encore une fois. Ce qu'il faut, c'est... Il faut non seulement arriver à zéro émission nette en 2050, je ne sais pas si vous imaginez, là, on produit 10 tonnes de CO2 par Français par an, et on est très loin d'être les pires, mais 10 tonnes par personne. Un aller-retour en avion par New York, c'est 2 tonnes quasiment. Il faut qu'on arrive à 2 tonnes en 2050, donc on divise par 5 nos émissions dans 30 ans, et ensuite qu'on passe à l'émission négative, c'est-à-dire qu'on arrive en dessous, c'est-à-dire qu'en gros, la France est un bilan carbone négatif. Là, on émet plus de 400 millions de tonnes de CO2 par an. L'objectif, c'est zéro tonne, enfin c'est zéro consommation d'hydrocarbures. À partir de là, donc on a commencé, on a gagné le biogaz. Il y a du carbone et de l'hydrogène, donc il y a pour relâcher du carbone. Oui, mais c'est du méthane, mais du méthane qui a un cycle. Et du coup, le reste du CO2 qui est déjà dans l'atmosphère, on en fait quoi ? Il va redevenir végétal. Mais au bout d'un certain temps, mais de trop de temps. 2 ans maximum. C'est le temps qu'on n'a pas. Justement, donc, dès l'instant où j'ai un cycle, j'ai un équilibre qui se crée. Et donc cet équilibre, dès l'instant où j'ai l'équilibre, j'ai. Mais vous n'avez pas d'équilibre à partir du moment où vous avez cramé des milliards de tonnes d'énergie fossile qui étaient dans le sol. En fait, c'est pas les mêmes échelles de temps. Je parle pas d'énergie fossile. En gros, le niveau de CO2 dans l'atmosphère, il est au plus haut depuis 2 millions d'années, c'est ce que dit le GIEC. Donc en fait, on est hors de l'échelle géologique, on est hors des ordres de grandeur qui sont connus à une échelle entendable d'un point de vue humain. Et en fait, maintenant, il faut qu'on fasse de l'émission négative. Donc si on faisait de la compensation carbone, parce que c'est ce que vous décrivez là, en fait, il faudrait qu'on... ça a été chiffré notamment par Oxfam. Non, je ne veux pas de la compensation carbone, là. Bah si, parce que en fait, c'est que vous absorbez des émissions qui sont émises. Je vais vous proposer de continuer tous les deux votre débat après, parce que là, il faut qu'on arrête. Et que je suis aussi là pour tenir la pendule. Pardon, je voulais pas... Non, mais voilà, hein, c'est mon rôle. Hein. D'un seul coup, je me réveille. Lou Espargilière, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes responsable du média Vert.eco. Sophie Roland, merci aussi à vous d'être venue. Puis je voudrais remercier Emma, Reynald et Corentin pour leur super organisation. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je crois que la suite se poursuit dans les différents salons. Merci.